Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en appuyant juste ici. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté pour recevoir une notification dès que je sortirai une vidéo. Bon visionnage! Mince, j'ai oublié mon sac hier à l'école. Max, t'es trop bizarre, tu sais. Ben de quoi, toi, tu parles? T'as même pas pris ton sac? Mais parce que moi, je suis en sortie, imbécile. Hein? Pourquoi toi, t'as une sortie et moi pas, alors qu'on est dans la même classe? Oh, peut-être que moi, parce que je fais option art, hein. Faut se réveiller un petit peu. Ah! Bon, on y va? Ouais, allez les enfants, zou, là, vous allez être en retard. Il faut que j'emmène Chloé à la maternelle, moi aussi. Ok, à tout à l'heure, maman. Bye, maman. Allez, bisous les enfants, bon courage. À nous, Chloé, on s'habille? Allez, mon bébé, on se motive, tu vas aller à l'école. Ben, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non. Oh, mon petit Paris-Brest, qu'est-ce qu'il y a? J'ai bobo à la tête. Bon, viens, on va prendre ta température, viens, on va aller là-bas. Ça va faire mal? Mais non, voilà. Hop, c'est quoi? Un thermomètre frontal. Ah. Quoi? 40? Je vais appeler un médecin. Je vais appeler un médecin en urgence. T'inquiète pas, Chloé, d'accord? Téléphone, 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 il est où? J'ai quoi? J'ai envie de dormir. T'entends pas, d'accord? J'appelle vite le médecin. Ah, il est là. Bon, c'est bon, je viens les appeler, il devrait pas tarder. D'accord, allez, t'inquiète pas surtout. Bon, quand est-ce qu'ils arrivent? Ah, je crois que je les entends. Ah, ils sont là, je les ai vus, c'est bon. Bonjour, où est l'enfant, s'il vous plaît? On va essayer de faire assez vite parce que... Vous comprenez, madame, je veux pas vous inquiéter, mais 40, ça peut être assez dangereux pour un enfant. Oui, je comprends. Bonjour. Elle est juste ici, sur le canapé. Elle a jamais eu autant de fièvre. C'est pas grave, dites-moi, je... Eh bien, on va vérifier, madame. On sait pas encore. Ça peut être bénin, comme ça peut être très dangereux, vu son bas âge. Comment elle s'appelle? Oui, Chloé. Coucou, Chloé. C'est le docteur. On va s'occuper de toi, hein, mais n'aie pas peur, d'accord? J'ai pas peur. C'est super, ma grande. Madame, est-ce qu'elle a eu des selles liquides récemment? Non. Je crois que j'ai fait mon diagnostic assez rapidement, hein. Des petites taches rouges. Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien de grave. Ah bon? Elle a quoi alors? Pourquoi elle est si fébrile? C'est juste une petite roséole, vous inquiétez pas. C'est une maladie bénigne, franchement, il n'y a rien de grave. Si vous avez d'autres enfants, vous devez juste faire attention. Ce sont les symptômes typiques que votre fille a. Les éruptions cutanées sur la peau, la fièvre montant à 40. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez lui donner du paracétamol en respectant les doses indiquées pour son âge. Elle va avoir de la fièvre pendant quelques jours, après ça passera. Mais elle aura les points rouges sur son corps. Et puis, ça passera complètement. Ah, ouf. Désolée de vous avoir appelé pour rien. Mais non, madame, on est fait pour ça. Et puis c'est vrai que 40 degrés pour un bébé, c'est vraiment dangereux. Hein. Vous avez très bien fait. Merci beaucoup. Bon, au revoir et bon courage. Bon, ma petite Chloé, on va rester toutes les deux pendant quelques jours. J'appelle le travail et j'arrive. Mais surtout, t'inquiète pas, c'est rien de grave. T'as entendu ce qu'a dit le docteur? Oui, d'accord. Oh, ma petite chérie, tu m'as fait vraiment peur aujourd'hui.